Bonsoir. Vous êtes poli, hein? Je suis toute heureuse d'être ici ce soir pour représenter Haïti. Haïti est un super beau pays, plein de couleurs, avec de l'art partout. Parfois trop. Il y a de l'art même dans les prénoms chez nous. On a de la difficulté à se faire un nom chez nous, mais pour les prénoms, vraiment aucun problème. Oxygène. Nefertiti, Adidas, Plymouth sont des prénoms chez nous. Alors moi, c'est Christina, et vous? Ok, ça va être long, on va commencer les présentations par la première rangée. Oh, bonsoir monsieur, vous êtes haïtien, content de vous voir, vous vous appelez comment? Mais chez nous, il y a beaucoup de chances que ce soit Gérard, Daniel, Joseph, Robert, Roger, Jésus, Marie-Joseph, Michel, Jean. Hein? Les noms de baptême, on vous a fait ça aussi. Hein? Et parfois, il y a même la possibilité qu'ils ne connaissent pas son propre nom. Ça arrive aussi. Et peut-être même qu'on l'appelle chez lui Jimmy. On fait ça chez nous. Mon ami Marie-Monde, Clarisse, Aimé, tout le monde l'appelle Vanessa. Oui, on fait ça à nos enfants. Oui. Et c'est comment? Pardon? Carl. Tu ne nous dis pas toute la vérité, Carl. Alors, à la Charte des droits des enfants, je pense qu'il faudrait vraiment ajouter un chapitre spécial pour Haïti. Chapitre 1. J'ai droit à un nom décent. Correct. Pas trop long, pas trop court, pas trop con, pas trop lourd. Mais surtout pas trop long. C'est pas normal, et Carl, c'est pas normal que ton nom complet soit plus long que l'ensemble de tes amis de Facebook. On comprend ta douleur, mon frère, et on se bat pour toi. One love. Et continue à dire Carl, c'est bon. Article 2. J'ai le droit de ne pas être nommée comme une star de cinéma. Ben Affleck Jean, David Guetta Louis. J'ai aussi rencontré Barack Obama Joseph et Che Guevara Paul, comptable. Article 3. J'ai le droit de ne pas être nommée comme les émotions ou les attentes de mes parents. Parce que les aînés de la famille chez nous sont souvent nommés Désiré, Dieu si bon, merci Dieu, pour manifester la joie des parents à la naissance de leurs nourrissons. Mais c'est bien que ce soit les émotions à la naissance et non à la conception. Vous vous imaginez ce que ça aurait donné avec les émotions à la conception? Hein? Je ne serais pas Dieu si bon, mais c'est si bon. Encore, je viens, plus fort, plus vite. Ou bien vieux cochon. En général, ce sont les premiers ou les derniers de la famille qui souffrent de la prénom-titre aiguë chez nous. J'ai rencontré l'autre jour une charmante jeune fille qui répond au nom de ma dernière. Un bel avenir pour elle en vue, hein? Ma dernière, Joseph. Alors la question 1 million pour moi était, si un jour, ma dernière a un petit frère ou une petite sœur, comment on va l'appeler? Oups. Oh shit. Ou qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de la vasectomie, Joseph? Alors, ce sont les prénoms qui sont compliqués chez nous, parce que pour les noms de famille, il n'y a vraiment pas de problème. C'est Jean ou Joseph? C'est Carl Joseph, c'est ça, non? Non? Ben, c'est un peu comme Gagnon Tremblay chez vous autres, là, là. Hein? N'est-ce pas, madame? Alors, on passe à l'article 4, très important. Pas de nom sexuel à vos enfants, s'il vous plaît. Phallome. Hymen,
Et n'appelez pas votre fille Sésame non plus, rien de sexuel a priori, mais c'est l'aimer toute sa vie, on va lui dire ouvre-toi. Article 5. Pas de combinaison du nom des parents. C'est quoi ça? Christian et Bernadette, ça fait Chrisbert. Oh, c'est mignon! Eh bien, d'accord. Salomon et Pénélope, ça fait. Bravo! De bons parents, ça, super! Article 6. Je n'ai rien à foutre du nom de mes ancêtres. Pardon, grand-père. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mes parents, dans un élan d'affection et de nostalgie, m'ont nommé, après mon aïeul, Marie Gontran Christina. Ouais, allez-y, riez, vous pouvez, c'est bon. Mais l'avantage avec un prénom pareil, Gontran, c'est que tout est permis. Je peux lancer un sonore guette maman ou à n'importe quel passant. Je peux cracher par terre, péter ou rôter à table, me moucher dans un coin de la nappe. C'est Gontran. J'ai une amie dominicaine, c'est toute l'île qui souffre, hein, qui s'appelle Maria Conchita Mercedes Herrera Pica y Pica. Pica y Pica en français, c'est Sagrate et Sagrate. Vous imaginez rencontrer un homme décent avec un nom pareil. Oui, moi je suis Sagrate et Sagrate et je vous présente ma sœur, Infection à levure. Alors, elle a composé une chanson parce qu'elle milite comme moi, comme vous pouvez supposer pourquoi, pour le droit d'être bien nommée. Et je vais vous la chanter. Je vais vous la chanter avec l'accent, hein, parce que sinon, ça serait un sacrilège. Chevet, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Et musique, también. Wouh! Dios. Gracias. Je vais dédier cette chanson à toute la bande des petits cons, à tous ces petits tarés qui cherchent un nom à leurs enfants. Je chante pour toi, Carla. Je voudrais bien vite leur dire que pour nous, ce n'est pas un plaisir de porter ces horribles noms. Passez ailleurs vos frustrations ou votre manque de goût. Parce que nous, on n'aimait pas du tout. S'appeler Nounoun, Diesel ou Diessi bon, ça est trop départ pris pour un couillon. Ma dernière, cette chanson est pour toi. Pour toi aussi, Maria Conchita. Je vais dédier cette chanson à tous les mal nommés qui n'ont pas un joli prénom, ce qui les empêche de tweeter, d'avoir une carrière publique, d'être des hommes, des femmes politiques. Cacher mon passeport, je connais la chanson. Tousser très fort quand je dois donner mon nom. Diesel ou Diessi bon, c'est trop pas pris pour un gros con. Adidas, cette chanson est pour toi aussi, Maria contre Christina. Je souffre, et ça se voit, car c'est pour toi. Souffrez avec moi. Christina, oh là là, qu'est-ce qu'on t'a fait là? Rachid, arraché. Si j'étais toi, je me suicide. Aïe, 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 aïe.